Bon, bien sûr, le téléphone s'est arrêté, mais dans la ruche au fond, là, il y avait. J'ai ouvert le rayon, c'était très vif, ça m'a attaqué pas mal. Et sur le rayon, il y avait énormément d'abeilles. Il y avait du miel en stockage. Il n'y avait pas d'œufs. Mais en gros, la ruche a l'air très active. Donc j'ai refermé assez vite. Je suis revenu voir cette ruche. J'ai rouvert la porte en haut, là, la porte avec le petit truc en métal. Parce que c'est quand même l'entrée préférée des abeilles. Là, c'est clair que dans une ruche naturelle, j'aurais tendance à mettre l'ouverture en haut et pas en bas. Parce que les abeilles, ben, dans toutes les ruches où c'est possible, elles rentrent par le haut. Donc là, avec le sécateur, j'ai coupé un peu trop court. Du coup, j'ai rajouté le morceau que j'avais coupé ou un autre en faisant une sorte de planche d'atterrissage, petite planche d'atterrissage inclinée. Et ça semble marcher très bien. Là, les abeilles ont vite retrouvé l'ouverture et elles passent par là, bien sûr. Donc je trouve que c'est pas mal, hein. Franchement, ça a de la gueule, hein. Allez, j'arrête.